avez sur les Chinois qui deviennent paysans en Afrique? Peut-être aussi, Jacques. Alors, juste 30 secondes. C'est pas que les Chinois. Bah, les Chinois sont plus dans l'infrastructure, mais c'est vrai que c'est globalement l'histoire du land grabbing, le problème du vol de terre, l'accaparement de terre par des gens de certains pays ou des entreprises dans d'autres pays sur d'autres continents, c'est un problème aujourd'hui qui devient majeur. Qui est un... Moi, je pense que je vais être seul à répondre à cette question-là, mais ça pose à la fois la question des modèles agricoles, c'est ce qu'on a dit, les modèles d'exportation, les retours sur les pays. Ça devient un problème urgent à régler, ça devient une question centrale. J'ai envie de dire, chez nous, comment ça se passe en Europe? Or, ça se passe aussi à l'intérieur de l'Europe. Donc là aussi, on peut agir. Et on va agir, et c'est ce qu'on essaye de faire, contre le land grabbing qui se fait en Pologne, qui se fait en Hongrie, qui se fait en Roumanie, qui se fait en Ukraine, par des entreprises de chez nous. Donc je crois que là, on peut agir, c'est à nous de le faire, déjà en empêchant que ces gens puissent soutenir des soutiens de la PAC, parce que c'est ce qui se passe. Et là, je rentre de Hongrie, où Hongrie, actuellement, il y a 2 millions d'hectares qui appartiennent à l'État. Ces terres, aujourd'hui, pourraient servir soit à agrandir les petits paysans, parce qu'il y a énormément de petites exploitations en Hongrie, ou à installer des nouveaux paysans. Et là, on rentrerait dans un cercle vertueux. Que deviennent ces terres? Elles sont aujourd'hui louées à des propriétaires, enfin à des personnes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, qui ensuite servent de prête-nom pour des entreprises européennes qui se lancent dans l'agro-industrie. Donc on a là, on voit bien où est le problème aujourd'hui. Donc on peut changer ça, on peut l'empêcher. Simplement, là aussi, c'est sur la mobilisation. Et tu parles de l'Afrique, moi je pense que, évidemment, il y a la question des Chinois, il y a la question des entreprises ailleurs. Il y a des accords économiques aujourd'hui qui sont signés par l'Union européenne avec des pays du Sud, qui incite en réalité à ça. On vient de signer un accord entre l'Union européenne et le Maroc pour l'exportation de tomates. Or, ça ne va pas profiter aux petits paysans, ça va profiter aux entreprises qui ont obtenu des terres du roi du Maroc pour développer ce processus. Et quand on regarde sur les trois entreprises, il y a trois entreprises qui sont les principales, qui représentent 75% de l'exportation du Maroc en tomates vers l'Union européenne, il y en a une. C'est la compagnie royale, ça on voit bien ce que c'est. Et les deux autres, qui s'appellent Idil et Azura, une à son siège à Perpignan et l'autre à Château-Renard. Voilà. Et évidemment, on a signé un accord de libre-échange, donc pour ce, qui est complètement uniquement dans l'intérêt de l'industrie agroalimentaire européenne. Et en contrepartie, le Maroc a accepté d'ouvrir son marché pour les céréales, toutes les viandes, et y compris le cynisme absolu sans aucune taxe, la viande de porc. Pourquoi la viande de porc exportée au Maroc sans taxes, pourquoi ils en produisent pas beaucoup localement, pourquoi? Uniquement pour alimenter les hôtels, pour les touristes, parce que c'est quand même emmerdant quand on vient de France ou d'Europe de ne pas pouvoir manger une côte de porc quand on est au Maroc. Donc on a ouvert le marché de la viande de porc. Jacques, rapidement, parce que vous avez dit l'essentiel, juste un mot qui est important à entendre sur cette question de l'accaparement des terres, c'est le colonialisme. C'est exactement le même schéma qui était utilisé par la France, l'Angleterre ou les Pays-Bas au XIXe siècle. C'est-à-dire on négocie, les autres, c'est-à-dire on négocie avec les potentats locaux, avec les chefs régionaux, les gouverneurs d'État au Brésil par exemple, etc. C'est-à-dire les multinationales, la Chine aussi, mais effectivement il n'y a pas que la Chine, les États du Golfe également, etc. Et achètent des terres au mépris total des populations locales qui se retrouvent ensuite obligées de migrer ou de s'écraser. Donc c'est vraiment le schéma colonial tel qu'il a été pratiqué au XIXe siècle. Donc, et on peut y aussi mettre fin par des pressions internationales. On peut aussi définir des règles de fonctionnement international. C'est ce qui a été fait depuis plusieurs siècles au niveau mondial régulièrement. On peut le faire sur les terres. Maintenant, je voulais aussi réagir à l'intervention tout à l'heure parce que Madame Julien, parce que c'est son allusion au suicide des agriculteurs est importante, je trouve, parce que c'est tout l'enjeu de l'optimisme, justement, dans ce débat, c'est que la plupart des agriculteurs, aujourd'hui, se sentent pris dans un étau. D'un côté, on leur dit « Vous nous empoisonnez », et c'est vrai. Et d'un autre côté, on leur dit « Mais vous ne pouvez pas faire autrement », et c'est faux. Et donc,
quand ils ont la conviction qu'ils ne peuvent pas faire autrement que ce système conventionnel, industriel, productiviste, c'est-à-dire qui détruit les emplois, il y a deux solutions. En fait, il y en a une troisième, mais les deux solutions utilisées, c'est soit de se tirer une balle dans la tête, et effectivement, c'est un drame, et beaucoup d'agriculteurs se suicident. Je crois que c'est la profession en France où il y a le plus de suicides. Et l'autre solution qui est utilisée par beaucoup d'agriculteurs que je vois bien chez moi en Bretagne, c'est le déni. De dire, mais non, c'est pas vrai, on ne vous empoisonne pas. Et franchement, ils sont sincères quand ils disent ça, parce que s'ils ne disaient pas ça, ça ne serait pas vivable pour eux. Donc ils pensent que non, c'est pas vrai, on ne vous empoisonne pas. Et ce que je pense tous, on essaye de faire ici, et ce qu'il faut vraiment appliquer à porter, c'est de dire, mais c'est pas le côté empoisonnement qu'il faut faire tomber, enfin, c'est pas cette conscience-là qu'il faut faire tomber. C'est l'imposture qui consiste à croire qu'on ne peut pas faire autrement. Bien sûr qu'on peut faire autrement, donc on n'est pas du tout dans une impasse. Donc notre rôle aussi, votre rôle aussi, c'est d'aller voir les paysans, vos voisins, vos amis, et de leur dire, mais renseignez-vous, allez voir des paysans qui font autrement, il est possible de faire autrement. C'est pas une impasse, il n'y a pas de fatalité. Et le but, c'est pas de supprimer les paysans actuels pour les remplacer par d'autres paysans en bio, etc. Le but, c'est bien de faire évoluer ceux qui sont aujourd'hui paysans. Donc il faut bien aller leur parler, et il faut bien aller casser cette faussité qu'ils ont ancrée dans la tête depuis des années.